Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nouvelle petite émission des navets jouables avant le grand final du mois de décembre avec aujourd'hui Gods and Generals. Qu'est-ce que Gods and Generals, pardon? C'est un FPS. C'est un FPS édité par Activision Value. Donc Activision Value, c'est comme Activision, sauf que comme c'est Value, bah c'est moins bien. Développé par Anivision, sorti le 18 février 2003 et noté par GameSpot à 1,2 sur 10. C'est à peu près, on peut dire, déconseillé au moins de 10 ans. C'est Informatique qui vous parle, je suis aujourd'hui accompagné de Bat à la manette Ouais. et de Warzik à la rien du tout. Voilà. Aujourd'hui, bah toujours pas Kairos, hein, Kairos qui est toujours loin de chez nous, donc Kairos, reste où tu es. Non, je voulais juste, avant de commencer, Oui, vas-y, je t'en prie. souligner la belle musique, enfin, Oui, la musique, qualité de c'est un cette truc. musique magnifique qu'on entend derrière qui fait dum, dum, dum. Voilà, et qui au bout d'une demi-mesure revient à zéro, donc c'est vachement intéressant comme musique. Bref, c'est un FPS qui porte sur la guerre de sécession. Alors rappelez-vous, on vous avait déjà fait un jeu sur la guerre de sécession, ils sont pas des masses sur le marché. Donc quand on en a un, on en profite, et je crois qu'il n'y en a pas un seul qui peut rattraper l'autre. C'est un jeu donc sur la guerre de sécession, et bizarrement, nous sommes des confédérés. Donc nous jouons des confédérés contre l'armée de l'Union. Je dis pas que l'Union c'est non plus les gentils et les confédérés et les méchants, mais bon c'est quand même bizarre de prendre ce parti-là dans un jeu. C'est adapté d'une fresque historique, alors je sais pas si c'était télévisé, mais je crois que c'était un film qui était très très long, qui s'appelait Gods and Generals, avec le seul acteur connu là-dedans c'était Robert Duvall. Sinon le reste bah, c'était un peu un truc fait à l'arrache sur la guerre de sécession. Bref, c'est l'adaptation, c'est un FPS, c'est Bat qui joue en première personne avec le pistolet. Et vous tuez donc là dans la campagne des soldats de l'armée de l'Union, avec différents types d'armes, pas du tout pratiques à viser et à tirer. Et pour récupérer les armes des autres, c'est ce qui est en train de faire Bat depuis tout à l'heure, il doit fouiller le corps. Donc, Ouais, donc il faut regarder le corps et il faut appuyer sur entrée, donc c'est très très voilà, c'est super pratique. pratique quand vous êtes attaqué par 4 personnes en même temps. Oula! C'est très bordélique. Alors, on va quand même tester ça sérieusement. Bon, bah, est-ce qu'on commence par les graphismes? J'ai envie de dire, ça sera un peu sur tirer sur l'ambulance pendant que l'autre est en train de s'exciter sur sa Ah! manche. Je n'ai plus d'armes. Comment Il dire? chargeait, mais en fait, il met 2 heures. Ah, d'accord. Graphiquement, vous Je avez suis le chargé, en plat de fait. spaghettis au sol, là, qui est censé ressembler à de l'herbe, et des arbres sur Non, les côtés. monsieur, se démerder, Ouais, regarde, arrête alors de. quand, regarde, on est presque. Donc voilà, il est en train de s'exciter. Et voilà, maintenant il décide de plus vous tirer dessus parce qu'il est très gentil, monsieur de l'Union. Alors des fois il va s'animer, des fois non. Ça dépend. Là, plus personne s'anime, je sais pas trop pourquoi. Voilà. Oui, graphiquement, j'étais en train de dire, regardez les arbres que vous avez en arrière-plan. Donc les arbres sont marrons et verts. Donc les marrons, c'est ceux qui délimitent un peu l'espace de la map. Et les verts, c'est un peu ceux qui se sont dit, oh, ça va rendre le décor plus vivant. Donc ils sont verts fluo, c'est vachement naturel. Donc vous voyez cet ennemi qui est en train de vous attaquer à la baïonnette, mais comme il est Il trop me connaît en loin, plus. il comprend pas trop. Voilà, on va mourir, le jeu est très très difficile, voilà, on vient de mourir. Oh! Donc on va reprendre bien une partie, parce que là c'était un peu la mise en bouche, j'ai envie de dire. You were killed. Le mec à droite, là, c'est pas Rocky comme l'a cru Bat pendant les 10 dernières minutes de pré-test. C'est juste un mec de l'armée de Confédérés qui est en train de lever son sabre. Donc, Bon, comme vous vas-y, vous rappelez dans l'émission de la dernière fois avec Napoléon, vous avez également ici des petits extraits du film qui sont sonorisés par la seule et unique musique du jeu. Donc, c'est toujours aussi agréable à regarder, c'est chiant à mourir. Voilà. Bref, on passe à autre chose. On passe donc au niveau 2. Donc, le niveau 2, vous êtes avec l'armée des Confédérés. Et vous voyez, vous devez passer à travers la ligne ennemie de l'Union et bousiller tout le monde. Donc vous voyez cet effet de masse avec plein d'explosions dans tous les sens, super réel, c'est super bien fait. Donc vous voyez les mecs de l'Union qui se rencontrent, qui mettent 1 heure et demie avant de se tirer dessus, au lieu d'y aller à la baïonnette, bah, ils prennent bien le temps de recharger. Surtout que c'est un peu bizarre cette animation de rechargement, un peu suggestif. Ah, d'accord. Qu'est-ce que tu as comme arme d'autre à nous proposer? Bah là pour l'instant j'ai Tu as le deux armes. Colt, tu as le Colt et tu as le fusil avec baïonnette. Alors tu peux avoir le sabre aussi dans le jeu. Des couteaux de lancer aussi. Bref, je sais pas, c'est un peu bizarre. Donc vous voyez le gros bordel que c'est, tout le monde se bute de son côté, alors que enfin, tout ce qu'on peut en voir des batailles, c'est toujours des trucs très rangés sur des lignes et tout ça, là c'est un bordel monstre, chacun fait ça dans son petit coin.
Donc là, tu tires à coups de couteau. Oula. Ah voilà, on comprend rien. Ça explose partout. Déjà que ça ressemble à rien, mais en plus, on comprend rien. Donc, on n'est pas vraiment aidé dans l'histoire. C'est de la vieille, hein. Alors, en parlant de l'interface, en haut à gauche que vous ne voyez plus, vous avez une petite note qui vous indique les objectifs de la mission. You were killed, bien joué. Donc on va reprendre la mission, ou une autre, je ne sais pas, comme tu veux. De toute façon, celle-là, j'ai joué à la siège. D'accord, ok. donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, donc je disais en haut à gauche, le truc qui clignote, c'est vos ordres de mission. En bas à gauche, c'est juste une boussole qui vous indique que dalle, à part le nord, c'est par là, merci, ça sert. Vous avez en bleu votre vie et en orange votre... comment on peut appeler ça? Ah, mais ils apparaissent là, en fait, les mecs. Ah bah c'est bien, donc comme ça, ils apparaissent par milliers. Ah, d'accord. Ah, donc tu pourras jamais... Donc le but, c'est vraiment d'aller très vite dans la ligne ennemie. Et non, voilà. D'accord, t'as pas obéi aux ordres, donc t'as perdu. Donc on comprend pas très très bien cette map, ce niveau, ce qu'il faut faire. Oh, il y a troisième musique. Il y a plein de choristes qui s'excitent. Ah, j'ai l'impression qu'il y a deux musiques en même temps. Mais... Ouais, c'est un peu bordélique. Donc là, ils disent en gros, bah, va dans la ligne ennemie, hein, je vois pas ce qu'on peut faire de plus. Depuis tout à l'heure, on échoue à cette mission, on comprend pas pourquoi. Faut se mettre là et attendre qu'ils réapparaissent, je crois que c'était par là. Ouais, non, mais là, faut que t'ailles quand même à la ligne de l'Union, là. Sinon, ça sert à rien. Non, mais vas-y, laisse-les se battre entre eux et va complètement loin, voir ce qui se passe. Bah, ça fait comme tout à l'heure. Ouais, ouais. En plus, s'ils réapparaissent comme ça, c'est clair que ça va pas être très évident. Ouais, ils réapparaissent au même endroit. Ouais, ouais, bon, d'accord. Ouais, voilà. Bon, bref, on a rien compris à ce jeu. J'ai fait une sauvegarde plus loin, en haut. Donc, j'ai réussi à avancer vers les camions. On va vous montrer un peu plus loin ce que ça donne. Alors, nous sommes donc, vous voyez, cette magnifique texture pour les canons et pour la paille. C'est bien de donner des vrais noms à ces sauvegardes Vortex. Putain, ça gueule ce machin. Mais c'est vrai que musicalement, c'est horrible. Et encore, on a baissé le son au minimum. C'est quoi ça? Ah bah t'es mort. Oula. Ça commence bien, on va recommencer. C'était quoi? Je sais pas, t'as dû te prendre une mine ou un truc antipersonnel qui était placé là, je sais pas. Ils sont vachement méchants dans l'Union. C'est super pandard comme jeu. C'est super. Qu'est-ce qu'on disait donc? Oulala, t'es où là? D'accord. Donc tu es sur un champ de bataille. Alors regardez ces textures bizarres. Notamment les textures blanches sur les chariots qui sont censées être des draps à notre avis. Qui ressemblent plus à... Ah. Oula, pourquoi ça devient tout plat? Les arbres, oui. D'accord. Ouais. C'est juste l'arbre. Oula, mais qu'est-ce que c'est? C'est des armes, ouais, ça des... Ouais. Ah, elles sont bien rangées. Oula là. Vous voyez les draps, comment c'est bien fait. Ouais, c'est très bizarre. Bref. Oula, et lui, il fait. Je sais pas, il tire en l'air. Bonjour, madame. Regarde les boulets au sol aussi. Bonjour, mademoiselle. Merde, c'est bien fait. Oh. Ouais, c'est clair. Bref, bon, alors graphiquement, on a dit c'est. La chier. Merci. Musicalement, c'est... Ah, génial. D'accord. Et à chaque fois qu'on récupère une arme, on n'a qu'une balle aussi, c'est vachement... C'est vrai que c'est pratique. Bon, l'autre, il est avec son sabre. Ah, lui, il est intelligent. Je vais t'avoir. Avance un peu, je vais t'avoir, tu verras. Au niveau du gameplay, bah, c'est pas du tout pratique. Parce que une balle... Putain, alors lui, il est à fond dedans. Hein. On va pas le déranger, on reviendra plus tard. On va bute-le, hein. De toute façon, le pauvre... Voilà. Oh petit. Pas grand chose à montrer. Appuie sur G, prenne un corps. Ah oui, alors on peut porter les corps. À quoi cela sert-il? Ah bah non, lui il disparaît. Ouais, pas voulu. Pas lui. Sur G. On peut porter certains corps, ce qui ne sert strictement à rien à part vous ralentir dans votre démarche. Mais sinon on peut pas les cacher, donc si vous voulez à part vous faire un souvenir, tiens j'ai ramené un mec de l'armée de l'Union, youpi. Sinon ça sert strictement à rien. Donc au niveau du gameplay, il y a des choses très très mal pensées, comme celle-là. Tire sur les explosifs derrière. Non, derrière. Attends. Ça non, c'est là. Ah, non, c'est... Tu peux tirer sur des explosifs? Ah, oui. Oh là. Sur ça là? Ah bah d'accord. Ah bah on a perdu. Bon voilà, un jeu un peu bordélique, un peu bizarre au niveau de son organisation. Pas très beau, non, c'est un euphémisme, c'est une grosse merde au niveau visuel. Musicalement énervant, parce que là, depuis une demi-heure qu'on y joue, je sais pas, il a décidé de rentrer à la maison, mais s'il peut te tirer dessus au passage, ça te l'arrangera. Ah ouais, mais là, je peux plus sélectionner d'armes. C'est quoi ça? Bref, gameplay raté, et tout ça.
C'était donc Gods and Generals, un jeu édité par Activision Value, développé par Anivision, sorti le 18 février 2003, noté 1,2 sur 10 par GameSpot, et donc il y a 10, à peu près, interdit au moins de 10, 10 ans, pardon, pour à peu près tout le monde. Qu'est-ce que tu nous montres pour finir là ? Alors ça c'est une mission, j'ai tué tout le monde. Donc je dis, c'est une mission, j'ai tué tout le monde, et puis il se passe rien, l'objectif il me dit de détruire les canons, on peut rien faire sur les canons, il suffit d'attendre 2 minutes en faisant rien, puis ça va mettre, vous avez gagné, voilà. Ah, ça sert. Mais tout vient à point qu'il sait de l'attendre, donc de toute façon... Il y a 2 minutes de musique qui est super cool. Oui, c'est vrai que les musiques ça devient vraiment énervant. Hein. Donc je crois qu'on va vous quitter pour cette première... premier test. Et voilà, qu'est-ce qu'on vous propose maintenant ? France Télévisions, Mindscape, Iptic, mais qu'est-ce que c'est que tout ça ? Et oui, car maintenant nous vous proposons des chiffres et des lettres ! Bon alors, c'est pas, comment dire, c'est pas non plus un jeu qu'on va critiquer en disant c'est un gros navet, machin. C'est juste que, il y a des jeux, des fois, c'est de l'arnaque. Et là, la preuve en est avec des chiffres et des lettres, le jeu édité par Mindscape, développé par Iptic, sorti en 2005 et déconseillé au moins de 3 ans. C'est très pratique à dire. Des chiffres et des lettres, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est adapté du jeu télévisé le plus vieux des jeux toujours vivants aujourd'hui, qui est des chiffres et des lettres présentés aujourd'hui par Romeshko et sa bande de copains Boulin Prat et Renard. Et nous allons donc vous proposer avec Bat et WarsX une belle présentation de ce magnifique jeu, qui correspond à deux phases, c'est-à-dire une phase, on vous donne des lettres, vous devez construire un mot très long, et une autre phase, on vous donne plein de chiffres, un résultat, et avec les plein de chiffres, vous devez trouver le même résultat. C'est notre mathématicien préféré, WarsX, qui a la manette et qui va donc vous démontrer que ce jeu n'est pas du tout une arnaque, car en fait, il consiste en une feuille de papier et une calculatrice, bah, vous pouvez faire la même chose. Alors, tu t'appelles comment ? Ah, GBFN contre... GGG. Bah, ouais, enfin non, on fait peut-être pas... peut-être. Ouais, non, 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 on fait un jeu simple, parce que sinon, Baptiste, il c'est un illettré, donc on va pas pouvoir. Oh. Bon, allez, on va jouer contre l'ordinateur, et c'est parti. Non, on joue seul, il n'y a pas d'ordinateur. Ah, il n'y a pas d'ordinateur, désolé, on va jouer seul. Alors attention, bande de névrosés solitaires, c'est parti. Passons maintenant à l'épreuve. Pourquoi il n'y a pas de son avec le compte est bon. Si, si, il y a du son, ça, c'est nous qui avons pas mis assez fort. Et voilà, le compte est bon, 50, déjà. 10, écoute, écoute, 10, 9... 7, donc voilà, après une 6, présentation 6, vachement 6, animée 6, du 6, jeu, 6, merci de faire le bruitage Baptiste, on doit trouver 320 avec les chiffres. Alors, donc avec WarsX, quand on n'a rien à foutre l'après-midi, on regarde Slam et ça, c'est vraiment des jeux très instructifs. Ah, on est à 310 plus 10, et à 320 j'ai envie de dire. Voilà. On a gagné, putain, on a réussi à faire le premier compté, bon c'est rare. Par notre côté, quand ça finit par 20, c'est rarement difficile. Donc voilà. Donc là déjà on a gagné. Donc on a fait 50 x 6, 300, 10 divisé, non, pardon, 10 plus 10, j'arrive pas à lire d'ici, égale 20. Et 20 plus les 300 qu'on a trouvé au début, égale 320. WarsX est une bête, voilà, il a fait S, aujourd'hui il est en faculté de sciences, et voilà ce qu'on vous fait faire après, des chiffres et des lettres. Si, écoute. Votre solution est tout à fait acceptable. Merci Bertrand. Il n'était pas compliqué ce 320. Regardez, 50 x 6, 300, plus 10, plus 10. Voilà, donc Bertrand vous donne la solution. Bon alors. Après cette petite introduction. Pardon, après cette petite introduction, il y a beaucoup de thé dans ma phrase. Nous allons donc vous présenter ce jeu qui est donc une arnaque. Pourquoi ? Voilà, c'est maintenant l'épreuve des lettres. Voilà, parce que on vous propose un jeu télévisé. Donc on attend un peu plus que juste avoir une calculatrice et des lettres. Parce que ça, on peut le faire nous-mêmes devant la télé, voire sans télé. Donc là, on va demander les consonnes et les voyelles. Pépénette. Oh putain, non. Non. Pourquoi ça tombe sur nous? Bon bah, fais-le. Non, bah, y a bien un mot que tu dois voir à travers ça. Ouais, bah oui. Hein. Bah, on est désolé. Ouais. On est désolé. Oh non. Pourquoi pour le test des navets jouables, on est obligé de se taper ce genre? Bah, on est désolé. Vous comprenez pourquoi c'est interdit au moins de 3 ans? Bah, on a trouvé pénétré au féminin. J'ai honte. Félicitations.
Vous avez trouvé une des meilleures solutions. On a trouvé la meilleure solution avec pénétrer au féminin. Vous n'avez pas trouvé mieux, regardez. Oh là 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 là, j'ai honte. Et c'est nous qui avons choisi les consonnes et les voyelles au hasard. C'est bon, bah, d'accord. J'ai très très honte. Bon, alors on va essayer de reprendre le test. Donc, musicalement, c'est nul, y a rien du tout. S-O-T. Isotonerne. Bon, essaye de trouver un mot pendant que j'explique. Je regarde pas l'écran, sinon je vais partir sur autre chose. Donc, vous avez juste les voix des personnes, enfin des personnages, des présentateurs. Mais bon, ça en fait pas un jeu interactif pour autant. Donc j'ai envie de dire, c'est un peu limité pour un jeu qui coûte dans les 30 euros. Bon, nous on l'a acheté en occasion à 1 euro. Non. Ça c'est pas Tocineux n'est pas un vrai mot, donc écoutez ce qu'il va nous dire. Cette solution n'est pas acceptable. Ah, merde. Non, pas acceptée. Ah. Alors quel était le... Quel était le mot à trouver? Ionon. Voilà. Alors, cherchez dans vos dictionnaires, les enfants. Qu'est-ce que ça veut dire, Ionon? Et vous aurez appris un mot pour aujourd'hui. Après pénétrer, Ionon. 6 plaques, un nombre à atteindre, et dans l'intermédiaire, plein d'opérations compliquées. Voilà. Bon. Approchons. On va, ouais, si tu veux. On va, en gros, on va pas faire un quart d'heure de vidéo là-dessus, vous en doutez. Le seul truc, c'est pour vous dire que, bon, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde avec ce genre de jeu interactif qui ne l'est pas du tout. Qui est vraiment, une calculatrice intégrée dans un jeu, quoi. 739. Alors, on peut prendre 7, 9, donc ça fait déjà 7, 9, puis au milieu on trouve un 3, puis ça fera 739. Donc là, Warzix pète un câble, donc il écrit tout et n'importe quoi. Il fait qu'il fait 900 divisé par 7, non c'est pas possible parce que ça va faire des virgules, donc il aime pas. Donc on doit trouver 739 et Warzix a trouvé... Non, faut que tu fasses plus ou un truc dans le genre. Ouais, choix aussi. Bah non, ça va pas marcher parce qu'il dépasse pas les 4 chiffres. Ouais. Ah bah, donc on doit trouver 739, Warzix a trouvé 6314, on va voir ce qu'ils nous disent. C'est très long en plus. Hein. Ah, ce calcul est trop approximatif pour que j'accepte votre solution. Alors un conseil, si vous avez des difficultés de manipulation, pensez à utiliser le clavier ou régler les préférences. Donc... en augmentant les temps de réflexion et de saisie, ça vous aide. En plus, ils te prennent pour un con, après. Bon, ce que nous sommes, bien sûr. Mais bon, ils te donnent des conseils d'ultra-interactivité. Voilà une manière de l'obtenir. Bon, voilà la solution de Bertrand Renard qui nous dit « Vous êtes des brels, c'était super simple. » Voilà, on l'aurait trouvé. Bref, donc, faut arrêter ces jeux-là de nous produire ce genre de jeu où ça consiste à juste à cliquer sur des chiffres parce que ça, on peut le faire très très bien chez nous. Ça coûte quand même 30 euros, ce genre de jeu. C'est du foutage de gueule royal. Dans la série jeux télé comme ça, je vous rappelle que nous avions fait. Non, il y a trop de consonnes. Eh ben avec ça mon grand, tu vas aller loin. Bref, c'était donc, je reprends ma fiche que je n'ai pas. C'était les chiffres et des lettres. Édité par Mindscape, développé par Iptic, sorti en 2005, déconseillé aux moins de 3 ans. Je fais comme l'autre là, est-ce qu'on aussi hein. Ah, on peut faire ours. Ouais. Donc en tout, on aura fait une phrase qui veut dire pénétrer un ours en Yonon et 1614 fois. Non, mais non, t'avais un mot. On va faire ours. On aurait pu faire ours avec un H. Hein? Oui, mais mon mot à moi comptait plus. Ah, elle avait rien. Sortez vos dictionnaires aussi. Hein. Bref, c'est sur ce joli mot que nous allons nous quitter. C'était donc des chiffres et des lettres présentés par l'équipe des Navets Jouables. On se revoit je ne sais pas quand, si on se revoit pas dans une petite vidéo comme aujourd'hui, ça sera pour la dernière émission des Navets Jouables au mois de décembre. Laissez des commentaires, merci de nous regarder, et nous, on vous dit à bientôt. Le bouton rouge. Ah ouais, t'enregistres. Ah le poulet, mais c'est pas vrai.
Il est où le micro? Il est là. Coucou micro, comment ça va?